promotion du nouveau film de Danny Boone, La Ch'tite Famille, a commencé dans l'Oise, à Compiègne, au cinéma Le Majestic ce mercredi. Une comédie sympathique et divertissante qui fera certainement des millions d'entrées. Après des années d'efforts, il est devenu le plus snob des Parisiens. Parlons d'inspiration, quelles sont vos influences ? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Jusqu'au jour où il a connu... Mon beau-frère Charles Ch'ti, il a honte de nous, puis c'est tout. Hein. Une grosse rechute. L'acteur, réalisateur, producteur est venu en personne saluer les premiers spectateurs des deux salles du multiplex qui, pour l'occasion, ont fait le plein. C'est de loin son film le plus personnel. Les expressions en ch'ti de Lynn Renault sont celles de la propre mère du réalisateur. Quant aux relations familiales au cœur du scénario, elle serait aussi inspirée de ses parents et de ses frères. Maman ! Oh, je suis content de te dire, hein ! Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais chez qui, Boubourge, qui parle pas normalement ? Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là. Là, comme lapin. Lopin. Un lopin ? Hein ? On va commencer plus simplement. Le public compiénois lui a fait la fête, comme savent le faire les gens du Nord. Oh, Danny Boone, c'est le rire, c'est la personne du Nord. Alors, ah, c'est un ch'ti. Voilà. C'est chez nous. On dit que c'est le nouveau Bourville, est-ce que vous êtes d'accord ? Oh, tout à fait. Tout à fait d'accord. Qu'est-ce que vous retrouvez de Bourville dans Danny Boone ? Oh, bah, ses gestes, son sourire surtout. Très souriant. Je suis venu voir Danny Boone. Alors, pourquoi tu es venu le voir ? Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui te plaît chez lui ? Parce qu'il fait plein de blagues et j'aimerais bien avoir un autographe. Parce que je l'aime bien, et puis il me fait rire, il est marrant, et voilà, c'est tout, j'adore. Je suis fan. Mais c'est Morgane, une jeune compiénoise, qui a eu sa minute de gloire. Après avoir contacté Danny Boone sur les réseaux sociaux, elle s'est retrouvée dans le film. Alors je fais partie de la scène finale en fait. Je vais pas dévoiler ce que c'est, mais la scène finale, voilà. Alors en fait c'était pas du tout prévu. J'ai été sur le lieu de où ça se tournait et Danny m'a proposé de pouvoir faire partie de la scène qui se tournait le soir même. Ils nous ont expliqué sur le fait accompli en fait ce qu'on devait faire et... C'est une merveilleuse scène quand même. Qu'est-ce que c'est ? Un lopin ? Non, un lièvre. Un lièvre. Très bien. Non, vre. 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 Une taube. Gle. Je s'en fous de la couleur. C'est le nom qu'il veut. Vous allez répéter après moi. A-E-I-O-U. O-O-E-A-O. Non. Il est en possession que de deux voyelles, hein. I et O. Pour Danny Boone, la promotion continue et c'est au pas de course qu'il est reparti dans une autre salle de l'Oise à la rencontre de son public. Rendez-vous dans votre salle préférée dès aujourd'hui pour vous aussi retrouver l'acteur préféré des Français pour cette comédie qui devrait ravir tous les fans de l'humoriste. Ça va être compliqué là pour lui de s'exprimer. Bonjour Tertouche. Maman. Oh, t'as bien dormi, m'tu de biloute. Quelle belle image à rafficher de chemin. Ah, c'est pas le seul patient à traiter ? Non, mais c'est pas l'urgence.